tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Aujourd'hui c'est assez spécial parce qu'on se détache un peu de l'informatique en général, pour l'instant. Inquiétez-vous pas, il va y avoir d'autres vidéos informatiques dont j'ai en tête, bien évidemment. Aujourd'hui c'est spécial, j'avais hâte de faire cette vidéo là, c'est pour une nouvelle série qui se nomme RPG Maker. À quoi sert RPG Maker? Tout simplement faire un jeu. Tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est nouveau. Nouveau projet. Perfor. Démo. Et voilà. Nous avons créé une nouvelle map. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment fonctionne RPG Maker. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour RPG Maker. Ça va être une vidéo qui va sûrement durer 45 minutes. C'est quand même assez long. Mais ça va valoir la peine. Car la série que je vais faire, ça va être des vidéos d'au moins une heure. De là pourquoi j'attendais avec impatience de faire Clash of Clans, la 50e vidéo. Pour qui le spécial Clash of Clans. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller l'écouter. Bien évidemment, c'est un nouveau projet. Ouvrir ça, un projet. Enregistrer un projet, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est déjà fait. On peut couper la section, la section dans le presse-papier. On peut copier, coller, supprimer et retourner arrière. Ça c'est simple, c'est les affaires de base. Vraiment, les choses de base. Rendu ici, par contre, tout change. Mais avant tout, je vais vous montrer ceci. Voici le... la page d'accueil du jeu. On peut quitter, charger une nouvelle partie qu'on va faire. Pour l'instant, nous pouvons rien faire parce que nous sommes dans l'eau. Et ouais. Alors on va quitter. Comment y accéder là? On va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, nous allons mettre de la terre. Mais juste avant de mettre de la terre. Juste avant de mettre de la terre, on va aller ici, on va faire clic droit, on va aller dans propriété de la carte, on peut renommer le terrain, peu importe, 1, on va dire. Ici, tu as terrain, on va aller mettre à extérieur. Pourquoi? Vous allez comprendre. On va laisser ça, on peut modifier la map, comme cela. Et voilà. Là, je vais changer l'affaire, mais c'est pas grave, c'est volontaire. Et voilà. On peut voir que ça c'est vraiment de l'eau. C'est à peu près ça. Ici, qu'est-ce que ça sert? C'est de passer en mode d'édition de cartes. En gros, c'est... tu choisis ça, tu mets ça là. Bon, peut-être pas de la neige par contre. Ça, faire des routes. C'est à peu près ça. Ici, c'est pour des événements. Ici, c'est des conditions. Il faut que, exemple, l'interrupteur 1 soit activé pour activer cet événement. Sinon, si l'interrupteur 1 n'est pas activé, cet événement ne sera pas activé. Et celui-là, interrupteur lequel A. Et celui-là, l'interrupteur, il peut en avoir 4. L'interrupteur local, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on fait ça. On fait l'événement. Après ça, on décide de faire un nouvel événement, peu importe, assez rapidement. On fait nouvelle page. Interrupteur local A. Activé. Puis, on va là. On fait double-clic. Là, il y a beaucoup de choses. J'ai 3 pages. Il y a vraiment beaucoup de choses. On va aller ici, dans modifier un interrupteur local. Activer un. Alors, quand que cet événement sera terminé, il va passer à la seconde événement. Faisons la démonstration. Avec un levier. On va aller... avec ce levier. Comme je disais, on peut faire bien des choses. On peut créer des messages, comme une boîte de messagerie, une boîte d'interrupteur,
global, c'est ce qu'ils disent. Modifier le chronomètre, modifier une variable, interrupteur local. En gros, c'est ça. Ici, la programmation, comme qu'ils l'appellent pour des conditions des boucles, de sortie de boucles, etc. Pour une affaire d'équipe, le héros, les déplacements, les effets d'animation, les effets visuels, le temps. Ouais, du temps. Quand il faut prendre du temps. Ouais. Images et climat, musique, effets et sons. Donc, je vais faire ça. Faire ceci. Accepter. Alors, quand que je vais faire touche l'action, toucher cet interrupteur, il va faire un son qui va activer l'interrupteur local A, dont lui, on va aller tout de suite là. On va aller là, hop, tout l'autre, et on va prendre celui-là. On enregistre, bien évidemment. Nouvelle partie. On voit que maintenant on peut se déplacer. On active, et voilà. À quoi ça sert, en gros? Bien sûr, on va voir ça plus en détail quand on va faire la série, bien évidemment. Mais là, ça va être ça pour l'instant. Ici, on va y retourner là, parce que si on veut voir qu'est-ce que ça a l'air, ça, on n'a pas le choix d'aller là. Ici, c'est le crayon. En gros, pour vous faire prendre ça, on peut faire ça. En gros, le carré. On va enlever ça parce que non, ça ne tombe pas. Ou pour être plus voilà, on peut faire ça, c'est faire des carrés, des affaires rectangulaires, peu importe. Ici, on peut faire une croix, mais c'est tout en forme octogonale, et voilà. Voilà, une petite croix, faut payer quand même, puis une croix, on va faire une croix en fait des immenses par contre, mais c'est ça, c'est bien. Ensuite, on peut peinturer. Wow! Quel bug! Retourne en arrière. On vous prend pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par contre? On peut changer tout. Oups. On peut toutes les faire changer. Si on fait ça, tout est de même. Et voilà. Ici, c'est pour de l'ombre. Exemple. Cette pierre. Oups. Il y a une affaire. Ouais. Bon. Voilà, on peut mettre de l'ombre de même, avec un lampadaire comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Est-ce qu'on peut le faire directement comme ça? Voilà, ici. Si on prend le carré, on fait juste le clic, un clic, ça fait seulement ça. Sinon, il faut faire ceci.
même affaire pour ça, mais la différence c'est que un clic on fait ça. On peut faire la même affaire aussi, mais ça reste. On peut pas l'enlever. Voilà. Maintenant ici, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Grossir la map, optimiser la map, en gros c'est ça. Maintenant on va aller un peu plus avancé. Là, on va dans le moteur du jeu, les bases de données. Les bases de données, c'est tout, ça sert à faire bien des choses. En partant, on va changer le héros. Donc ça, on n'en a pas besoin. J'ai une petite idée quoi prendre. Après, je sais quoi prendre exactement. On va prendre le chat. Oui, le chat. Parce que ça me tente. Tout simplement. Voilà. Maintenant, si je fais ceci. C'est un chat. Ouais. C'est pas le fun. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essaie de voir si on peut rentrer dans les murs. C'est très réaliste. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ne pas passer par-dessus. Mais ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. Ça, on peut mettre un niveau, tout ça. Moi, honnêtement, je mettrai pas de niveau. Ouais. Okay. Si. Soldat. Bon, il y a des classes. Peu importe. Une description. De l'équipement initial. Ici, les classes. Chacune des classes, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est combien de points de vie, tout ça. Toutes les statistiques et tout ça. Les compétences pour les attaques, les affaires même. Les propriétés, les caractéristiques, les messages, ben des choses. Tout ce qui est en ligne. Avec des compétences, des attaques, des défenses, vampirisme. En gros, c'est comme si on se fuit comme Pokémon, c'est toutes les attaques. Objet. Là, c'est des potions, votre maximum. Ça se ressemble pas mal des jeux. Ici, on peut jouer avec ça, combien que ça vaut, tout ça. Le type. Ensuite, les armes. Il y a une panoplie d'armes, quand même. Il n'y a pas bien cette arche-là, cette arbalète plutôt. Il y a de l'armure. Des ennemis. Je peux voir tous les ennemis. Je vais te poser hein, rien qu'un peu. Ça, c'est sur tous les ennemis qu'il y a. Des groupes. On peut faire des groupes d'ennemis. On peut pas faire le groupe d'ennemis. Ils sont trop gros pour. On dirait. Ensuite, il y a les statues. Empoisonnement, gelé, confusion, sommeil, paralysie. Les statues comme qu'on connaît avec Pokémon, bien évidemment. Et les animations en combat. Je vais voir toutes les animations. Plein d'animations. Il y en a plein. C'est incroyable. Les tie-sets. Le plus intéressant d'entre tous, c'est bien ceci. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, vous voyez ça? On va pas prendre ça, on va aller avec extérieur. Moi, je sais plus lequel. Je pense que c'est celui-là. Tiens. On va faire ceci. Ok. On va retester le jeu. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller là. Ok, ça, c'est les autres. Ouais, c'est pas fort. Vraiment pas fort. On retourne là. Ce qui veut dire, c'est celui-là.
on reteste le jeu. Il faut bien tester le jeu quand on le fait. Cette fois-ci, on va aller là. Et voici, on peut marcher dessus. Ça, par contre, on a pu faire un pont, ça aurait pu fonctionner. Voilà. Et puis, aucun obstacle. À part de ça, et de ça, bien évidemment. Non, plus aucun obstacle. En gros, qu'est-ce que c'est? Les ronds, c'est qu'on peut marcher dessus. Les X, ça veut dire qu'on peut pas marcher dessus. Ça veut dire c'est un mur. Puis, les étoiles, donc je vais vous montrer cette. Ça, à quoi ça sert? C'est pour passer en dessous. Faire un effet que nous sommes en arrière d'un arbre, par exemple. Comme le lampadaire, en gros. S'il y a différentes choses, c'est ça. Ici, les événements communs pour des événements qu'on peut utiliser souvent qui est à la même place, tout simplement. Les affaires système, le titre du jeu, la monnaie que moi je vais mettre en dollars, les héros, comme on peut en ajouter plusieurs à la fois, des options. La musique, c'est ici qu'on s'en occupe. Effet sonore, c'est plein d'effets sonores. Position de départ, ça c'est le style de fenêtre que vous voulez comme ça. C'est ça. Ça c'est les apparences de véhicules. En gros, c'est ça. Puis le lexique et bien d'autres affaires aussi. Des commandes, des caractéristiques, des stats, type d'équipement, c'est d'autres affaires aussi. En gros, c'est ça. Ensuite, il y a ceci. Gestion de ressources. Gestion de ressources, c'est tout ce qui est... Les images, les affaires même, on peut toutes les voir. Ou c'est un aperçu d'animation. C'est à peu près ça. Éditeur de script, c'est pour pouvoir faire des scripts. Voilà. Ici, la musique. On peut écouter la musique comme ça, à partir de là. Pour voir qu'est-ce qu'il y a comme musique. Et générateur de personnage. Vous voulez faire un personnage? Vous regardez. On va s'amuser un peu. Je fais n'importe quoi. Hein. Ça fait déjà ça. Je trouve que ça fait déjà ça. Ça fait tellement ça. Pouf. Ça fait dur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ici, c'est on voit la personne, ça, on voit, ça c'est qu'est-ce qu'on voit qu'on contrôle là, ou qu'on peut voir comme petit personnage. On peut faire bien des choses comme ce qu'il pouvait voir. On peut générer. Oh, pas super quand même. Yeah. C'est ça. C'est ça pour qui est-ce qui est de tout ça. Mais maintenant, à quoi ça sert? Ça tout simplement tester le jeu. Tout simplement. Voilà. Juste ça. Mais pourquoi je le faisais pas là? Parce que je vais vous montrer tout simplement. Je faisais F12. F12, ça fait la même affaire. Il y a des raccourcis clavier qui fait la même affaire. Donc F12, ça va partir le jeu. Tout simplement. Mais aussi, là, si on n'a pas juste ça comme map, là, inquiétez-vous pas. Non, on va faire une nouvelle map, on fait clic droit, ici, ça peut être ici, pour que ça soit, attends, je vais vous montrer, nouvelle carte. Ouais, voilà, ça va être égal à lui, on peut faire ceci, lui n'est plus égal à lui, on aurait pu faire ça pour qu'il soit à ce niveau-là. En gros, c'est ça. Voilà.
Ici, c'est les mêmes choses qu'on a ça. Ici, c'est les mêmes choses qu'on a. Ici, on peut compiler le jeu. Une fois terminé, bien évidemment. Ça, c'est qu'est-ce qui est là. Les modes, qui est là. Les outils, qu'est-ce qui est là. Les hommes, qu'est-ce qui est là. Les outils, qui est là. On peut faire on peut modifier la couleur de ceci. Le jeu démarrer en plein écran, afficher la console. Ok. Ouvrir le répertoire du jeu. Ici c'est on est dans le répertoire du jeu, vraiment. Puis de l'aide. Je veux jouer d'Aïd. Pas pantoute. Ah. On voit que la console. Dommage, on peut rien faire avec. Voyons qu'est-ce que ça fait. Absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Je testais avec vous en plus. Ça va être déjà tout pour aujourd'hui. C'est un record. Ça fait je sais pas combien de fois que je fais cette vidéo. Quelques fois, pas une centaine de fois, mais évidemment, pas une dizaine de fois. Ça fait quelques fois que je fais cette vidéo, puis c'est la ma plus rapide. Ouais, absolument, ça prend une 45 minutes. Mais là, pour aujourd'hui, ça prend que une demi-heure. Environ bien, évidemment. Dites-vous que ça va être des vidéos de 1 heure. On va faire ça. En mieux, par contre. Faire ça. J'avais tout supprimé et le refaire. Puis on va le refaire ensemble. Mais je vous avertis. Ce que vous voyez là, c'est que la démo. Je vous dis, c'est la démo. Comme on voit. Comme qu'on peut voir ici. Perfor démo. Parce que j'ai une autre que je vais vous montrer ici perfor. Si on fait ça, on roule celle-là et voilà, c'est déjà quand même assez avancé. Wouhou! Ça c'est toute la map comme qu'on peut voir, c'est pour ça que qu'il existe ça. En gros, ça c'est la ville au grand complet, une ville en particulier, le quai. Ce que vous voyez ici, que ça c'est le où que ça commence, ça part le jeu. Et tout qu'est-ce qui est ici, ça c'est des événements que vous allez pouvoir découvrir un peu. Bon, les événements vous n'allez pas nécessairement le voir, qu'est-ce que ça a l'air. Je vais vous montrer un peu. On peut voir ici qu'il arrive quelque chose. On peut voir ici qu'il y a un personnage. Ça, c'est le héros. Qui est Caralan? Pourquoi? Comment on le sait? Parce que ici, on peut voir vraiment c'est comme ça que ça fait, là. Ça se fait de même. C'est un peu de la programmation, mais simplifiée. Là, il y a juste un message. Ici, du dialogue. Ici, affiche un message. Okay. Aucun portrait. Normal. Base. Princesse Caravane. Après ça, il affiche une émotion. Il attend 60 frags. En gros, une seconde. Pour ça, il y a un nouveau dialogue. Un autre dialogue. Un déplacement. L'événement se déplace. Ensuite, un interrupteur est activé. L'événement est effacé. Et l'interrupteur local A est activé. Interrupteur local A qui est activé pour ici. Qui n'y a absolument rien. Pourquoi? Quand c'est ici, celui-là. Et on peut nommer aussi les interrupteurs. En ce moment, on voit ça, mais s'il veut apparaître ça, il faut absolument que l'interrupteur 5 soit activé. Qui est activé justement là. Pourquoi l'événement est effacé? Parce que sinon il y en aurait deux.
Une fois faire ça, une fois. Ok, ça va. Genre, je vais dans une maison. Je reviens. Il y en a deux. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on ne veut pas. Qu'il faut éviter. Mais là, arrêtons de parler car c'est déjà terminé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google plus Twitter. Car tout le monde est le bienvenu. Alors, je vais finir la vidéo avec le début de ce jeu. Alors pour ça, je vous ai mis merci à tous. Ok, cliquez.